bien, ça me fait très plaisir en tant que maire de la ville de vous accueillir tous ici à propos de cette sortie de CD. C'est un projet commun, vous êtes 15 groupes locaux d'horizons différents réunis pour une passion commune, celle que l'on partage avec Rachid, avec Sylvain Angois et avec plein d'autres ici. Musique à Gogo est un encouragement à la pratique musicale. C'est ainsi que la ville de Gonfreville-Lorcher s'est investie dans la production de ce CD. Rachid nous en explique la démarche. Ce projet, il est né d'une envie de différents groupes de musiciens qui répètent depuis plusieurs années dans les locaux de musique de la ville. Et dès que l'envie, c'était de se retrouver sur une compilation et de partager des musiques différentes. Mais l'objectif de ce CD, c'était surtout de mettre sur ce CD que des créations, paroles, musique. Et donc, sur plusieurs mois, nous avons enregistré dans les studios d'Arthur Fleury, c'est une petite salle de musique. Les musiques qu'on peut retrouver sur ce CD, on retrouve du rock. On retrouve bien sûr aussi du rap, du funk, du reggae, mais on a aussi des musiques traditionnelles turques, de la musique antillaise et donc de la chanson française avec un fond musical beaucoup plus tranquille, qui permet de mettre les textes en avant. Donc tous les groupes qui ont participé à ce projet sont des groupes amateurs. La ville a financé le CD, c'est-à-dire le pressage, le graphisme, la réalisation de la jaquette. Donc l'association qui a, on va dire, encadré l'enregistrement est l'association All Music. C'est une association qui de jeunes issus de la ville. Je pense qu'on retrouvera dans de futurs projets. Ce CD n'est pas à vendre. Le CD il sera mis à disposition du public, de la population, à la médiathèque, à la discothèque. Avant de nous quitter, quelques extraits des 15 morceaux écrits composés pour ce CD. Tu n'as jamais eu confiance en moi. Moi qui t'ai jamais raconté d'histoire. S'asseoir au soleil, s'étourdir doucement. Causer aux passants, la lune entre les dents. Être libre. J'écris des textes tous les jours, à tous les coups. Je cours en sens inverse, j'essaie d'y couper court. Mais je reste à court d'idées, reste cool. Je suis le mec qui... Pour braver tempêtes et vents, et narrateur, pour être ainsi le meilleur des observateurs. Il a bravé les lois et les colères. Il est devenu ce que l'on appellerait